pour la radio Horizon. C'est pour la radio Horizon. La 101.1, tous pour un. On chante du reggae, du blues, du funk, du obragada, c'est pour nous. C'est pour nous, pour la population de Thierry. La radio, c'est pour nous, nos vies. La radio, c'est pour nous, nos vies. 101.1, c'est pour nous tous. Yeah man, ça se passe sur Horizon FM. C'est à tous ceux qui aiment la vérité. L'émission s'appelle Sabbat do Fuego. Ça se passe tous les samedis de 21h à 23h sur Radio Horizon. Revolution time. Ça fait longtemps qu'on attend que ça. Jeunesse togolaise est protégée. Ça fait longtemps qu'on crie Inch'Allah. L'heure du lion est arrivée. Et maintenant qu'on sait où on va, terre togolaise reste engagée envers Jaja Rastafari. Check check, ici c'est Kezita. Reste branché sur Horizon FM, la 101.1. Check check, ça se passe avec tous les gars de Thiévier. Check check, yes I. Vous savez, mon grand-père était fermier. Vous n'allez pas me faire pleurer sur votre enfance malheureuse. Non, j'adorais aller dans sa ferme. Vous savez ce que je faisais? J'approchais les œufs de la lumière d'une bougie pour apercevoir les imperfections. La première fois, il avait dit de mettre les œufs qui avaient des imperfections de côté. On les gardait pour la boulangerie. Et quand il est revenu, il a trouvé 300 œufs dans le panier de la boulangère. Il a demandé ce que j'avais fabriqué. Mais j'étais de bonne foi, ils avaient tous une imperfection. Vous savez, un creux sur la coquille ou une toute petite fêlure. Quand on y regarde de près, on a tous un point faible au risque de produire une faille, tôt ou tard. Vous cherchez le mien? Le vôtre, je l'ai déjà trouvé. Lequel est-ce? Vous êtes un battant, Willy. Sabado Fogo, le feu du samedi soir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Des invités, de la bonne musique pour vous égayer ce soir. Victor Premier est à la présentation, Gaëtan Mouzois sur la mise en onde. Yaouvi Keteti a une nouvelle chanson dans les bacs pour le plaisir des mélomanes, du rap, un son hardcore en réponse aux mauvaises langues. Je vous laisse apprécier Yaouvi Super Keteti. Yeah. Le morceau fera plaisir à toi, Dodi Arlon. Bien de choses à toute la famille. Non. Alors il faut tirer tout tout grand. Ma flemme au président ça. Non, le président du rap game. Mais alors les deux. Radio Horizon. En mode les clairs. Les yens baissent les tambours. Va faire nom de sous grand. Rigogo la tête que j'ai dit. Non. À deux balles la parcoudra. Attends les kings coudimi demain. Journaliste mignon, on a un donc à relais du coin, j'allais mettre les rapports, voyez à nous la tête, quand on est à vous la doudoua, fait que viande de
Dieu du roi. Amessia me bada roi. Amessia me bada roi. Ndepe mate tutio. Ndepe mate tutio. Amessia me de mes choice. Amessia me de mes choice. Ndepe mate tutio. Ndepe mate tutio. Non, mais t'as-tu la gagne. Non, mais t'as-tu la gagne. Non, mais t'as-tu la gagne. Radio Horizon. Laisse-moi m'aider. Non. Bon, ton temps, Fivifo. Tatouage. Non. Fashion View, Radio Wear. Tikoko Bami aussi. Non. Ame Boyo, Nissan. Laisse-moi les Asiwa. Non. Ton cadeau me fout au foie. Ma tête est mis à la dia. Non. N'aime plus faire radia. Tout fan au Kwenya Haditia. Non. Quoi tu saoules tout à l'heure. Tiens la tête, Valou Ayanama. Non. Dans la lèpe, n'est gagné la wa. Touché Botonia, no. Matez y'a blâme et non fa. Toko me sort dans les faibles. Côté le wawa bedoa. Salaire radio noir. Ola dade gadinawa. Mi passe démon béni kokoa. Mi tonne be élément kem. Amessia me badawa. Amessia me badawa. Ndepe mate tutio. Ndepe mate tutio. Amessia me de mes choice. Amessia me de mes choice. Non, mais t'as-tu la gagne. Non, mais n'a rien dit mon Non, mais t'as-tu la gagne. Non, mais n'a rien dit mon Sorabi. Non. Jack Daniel. ALC Balé ou Marsha. Non. Et nous t'y connais. Football Balé Togoa. Non. Va pévier n'y a bon le pourquoi. Au reprobatoire là. Non. Le boîte mais ça y a bien. Ville et Bandia, étudiant mi fond à main, on est à gaz, le mi à bois, quoi, et non, et ni à mille a trouvé solution, a fait clan, mille a bava, y'a comme mini qui a égalé mia, a tissoté les fanami, puis tout la tourne a fait mieux d'ya, on l'a pas un ami d'odia, MC de la tête pétilla, donc a y'a le feu du samedi soir, a mes amis badawa, a mes amis badawa. Chacun a sa folie. Chacun ses choix. Chacun ses talents. Et lui ne peut aller au-delà. Soit banalisé l'autre. Il s'appelle Yanvi. Qu'était-il le titre du morceau? C'est Messia Mebadawa. Le feu du samedi soir sur ta radio, nous restons au Togo avec Setlo, avec son morceau Odum Kekem. Plaisir à Dos Marcos de la Fuente depuis les USA. Allez mon frère, c'est le pays. Coucou spécial également à nos amis de la diaspora qui nous reçoivent grâce à nos réseaux sociaux. This is Radio Yeah.
pe gaye Olo na nyanye balo nye pe money Nyanye balo nye pe money Olo na nyanye balo nye pe gaye Après Sotlo et son morceau au bout de Kikin, place à l'invité du feu du samedi soir. La grande discothèque de l'indépendance qui parle cinéma avec Séraphine Yobo qui reçoit pour nous Prince Edor, réalisateur du film Les Otages du Lac. Nous l'écoutons. Prince Edor, bonjour. Bonjour Séraphine. Vous êtes le réalisateur du film Les Otages du Lac, un film qui va bientôt être projeté à l'hôtel Edaoba le 22 octobre prochain à 18h. Vous allez nous parler de ce film. Ce film s'appelle EBI, Bureau d'investigation de la CDAO. Et ça parle spécialement d'une unité de police ouest-africaine qui lutte contre les crimes transfrontaliers. D'accord, vous êtes le réalisateur mais en même temps le scénariste. C'est vous qui avez écrit ce film. Vous allez nous dire ce que vous visez à travers ce film, cette projection, ce que les gens auront à apprendre. D'abord, ce film c'est pour diversifier. Et en seconde partie, c'est en fait, vous savez, en Afrique, on a un problème. La police africaine n'a pas des moyens techniques modernes pour lutter contre les crimes transfrontaliers. Donc, EBI, je pense que les autorités vont s'inspirer de ce film pour pouvoir créer une unité spéciale capable de lutter efficacement contre ces crimes. Et maintenant, nous allons parler un peu du tournage de ce film. Nous savons que toute réalisation a quelque peu des difficultés. Est-ce que de votre côté, ça a été le cas ou bien tout est allé comme sur des roulettes? Les difficultés, oui, ça fait partie de la vie. D'abord, artistiquement, j'ai pas eu beaucoup de difficultés parce que quand je suis rentré, j'ai rencontré des jeunes qui sont motivés, qui ont des compétences et on a travaillé en famille. Mais les difficultés viennent du fait qu'on n'a pas de financement, on n'a pas de sponsors. Aujourd'hui, on a fini le film, les difficultés persistent toujours, on ne peut pas le nier. Mais non, en général, il n'y a pas grand difficulté, on peut noter. Et les acteurs de EBI, les Otages du Lac, est-ce que ce sont des acteurs déjà connus? Est-ce que le public les connaît déjà? Ou bien ce sont, vous avez tourné avec des jeunes Togolais, des jeunes talents que nous aurons à découvrir le 22 octobre? Ce ne sont pas des acteurs connus. Ce sont des jeunes qui ont des compétences, qui tapent dans l'ombre depuis très longtemps. C'est maintenant qu'on va les découvrir. Et maintenant, nous allons parler de la soirée du 22 octobre à l'hôtel Edaoba. Vous allez nous dire ce que nous aurons à voir concrètement, le public qui fera le déplacement. Et concrètement, vous aurez à voir un film inédit, un nouveau style, un nouveau genre de cinéma togolais. Après la projection, il y a une soirée continue dans la boîte Oral Nightclub de l'hôtel. Et il y a prestations des artistes, et photocall, et cocktails, et il y a beaucoup de choses. Il y a des surprises aussi. Et nous pouvons dire que l'entrée ne sera pas gratuite, tout naturellement, vous allez nous rappeler les prix. L'entrée, c'est pas gratuit, c'est seulement 2000 francs, 3000 francs et 5000 francs pour la réservation. Et je rappelle que la réservation donne droit à la soirée continue en boîte de nuit. Et la réservation, elle se fait sur quel numéro? 93 69 99 79. Alors, Prince Edor, nous allons clôturer cette petite interview avec votre mot de fait, ce que vous avez à dire à ceux qui vous écoutent. J'invite la population de Lomé du Togo à venir soutenir non seulement le film, mais le cinéma togolais. Je rappelle à certaines personnes qui pensent qu'on va faire c'est pas un film d'action, c'est un film policier, un film plus intellectuel, on va pas voir Rambo, mais c'est un cinéma que les Togolais doivent venir soutenir. Ok, merci beaucoup et bonne chance à votre film. Merci. Merci Séraphine, merci Prince Edor. Je rappelle que l'avant-première de ce film va être diffusée samedi 22 octobre prochain à l'hôtel Edaoba de Lomé à 18h avec entrée 2000, 3000 et 5000. Je vous laisse apprécier la bande annonce. Togo Film Industrie, la nouvelle vague du cinéma togolais présente. Je vais être en liaison directe avec l'opération si possible. Ok, je vais vous trouver une puce émetteur récepteur de haute fréquence. Bon les gars, demain matin dès 8h, vous mettez l'opération en branle.
mon chef. Ecowas, Bureau of Investigation, la nouvelle unité spéciale de la police ouest-africaine, division togolaise, lutte contre divers crimes transfrontaliers. Action. Investigation, recoupement des formations. Des agents du bureau d'investigation de la CEDEAO nous entraînent dans un style de cinéma togolais inédit en passant par des frissons extrêmes. La course, faut qu'on se mette à Montibo. Activer notre plus de monde qui est bon. On vient déplacer, on vient exploser, on vient détonner. Nous sommes du bureau d'investigation de la CEDEAO. Je suis l'agent spécial Jane Kwaku et voici l'agent spécial Kodjo Kossi. Et qu'est-ce que ma soeur a à voir dans cette salade? Il se trouve que la connexion transfrontalière ne se soit pas bien établie. Bureau d'investigation de la CEDEAO, centre des opérations, je vous écoute. EBI, l'unité de choc qui boot out tous les crimes de l'Afrique de l'Ouest. Le rendez-vous est pris à Lomé dans la salle de conférence de l'hôtel État au bar samedi prochain 22 octobre à partir de 18h. Messieurs, dames, faites massivement le déplacement. Une pause musicale s'impose, nous retrouvons Techno Miles dans Douro. Alhaji, Takino, Sababu, Wona, Wona, Nana, Sina Lava, they see by your eyes. Yo, I love you, baby, and I think I'm twice. Shimakare, your beauty making me to realize. Baby, Senepa, don't bring it light. Say you must marry me. Le morceau va faire plaisir à Amicia Menoumassan et toute sa famille. Bonsoir également à Nabi Kekoli et tous ceux qui nous ressortent de Batopé. Plaisir à nos amis de Yobome. Alors, mes respects à toute la famille à JDBT. Salut à toi Pouyol. I go dance, girl, follow me, eh. Your daddy, your mommy, but don't tell me how you want to see, eh. If you be hooked, eh, I go look your face, eh, eh. Baby, loving me, touching me, eh. Say you must marry me, eh. You go love me, baby. You go killing me, baby. You go follow me, my love. You're my remedy, you're my melody. You be being a harmony, yo. You go give me, eh. Baby, Palanga, I will show you love that you never see. Palanga, and you're the mother of my two baby. Baby, Palanga, and if we like, we we'll make a titty, baby. Baby, Palanga, and we love you forever. Oh, nana. Zaga. La Technomiles Douro et nous restons au Nigeria pour s'écouter du Whiz Boy. Fine, 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 baby. Et le morceau fera plaisir à Bébé Kérosène, Lily la Baronne et tout ce qui nous ressemble en ce moment.
Google Boss de Mi Pacpa. Let's go. Ma chanson. Let's go. Kelele oh, kelele. La voyage qui n'a pas kelele. C'est bon. Aïe, aïe. Fine baby oh. Fine baby oh. Fine baby oh. Voyage qui n'a pas kelele. Fine baby oh. Fine baby oh. Say about the way you are, and I'm not going to my body that you can let go. Oh, yeah, yeah, 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 oh, yeah, oh, but I'm a little say now you be my one and only. Hey, make a marry you go. Baby honeymoon, baby go, 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 you go. Okay, okay, yeah. Let's go. I'm in love with you. Morceau que nous vous dédions spécialement ce soir et allez, 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 allez. Alors merci à Gaëtan qui assure la mise en onde et qui nous fait vivre de bons moments ce soir dans le feu du samedi soir. Chaque samedi entre 21h et 23h, nous vous proposons de la bonne musique et aussi des interviews. Le 12 octobre est une journée dédiée à la prévention de la cécité et à l'amélioration de la vue. Depuis 1998, la journée mondiale de la vue Lyon, qui se tient chaque année en octobre, met l'accent sur la prévention de la cécité évitable et l'amélioration de la vue. Lors de cette journée spéciale, les Lions Club donc du monde entier mettent en place des projets spécifiques liés à la vue. Et au Togo, les Lions Club, Lomé Espoir et Lomé Cascade organisent un concert. Léa Anipa est la secrétaire du mandat 2016-2017 du Lions Club Lomé Espoir et elle nous parle rapidement de la soirée qui va avoir lieu demain à Lomé. Ce 16 octobre, nous organisons un concert produit et animé par des malvoyants. L'idée, c'est soutenir l'association des malvoyants en leur reversant les gains du concert. Le mois d'octobre, en général, est le mois de la vue, considéré comme le mois de la vue pour le Lions Club International. C'est dans cette optique que, justement, nous faisons ce concert en ce mois-ci. Cette association nous a approchés parce qu'ils avaient des besoins, ils ont des projets auxquels on aimerait bien participer. Et au travers de ce concert, on espère quand même pouvoir atteindre nos objectifs en contribuant un peu à leur projet. C'est la place frère Emmanuel de la paroisse franciscain de Lomé-Anne-Copé qui accueille l'événement demain dimanche 6 octobre 2016 à 14h avec le groupe musical des malvoyants, la voix des anges et d'autres artistes
du gospel, les Aniba. Nous avons des artistes gospel qui interviendront, des artistes en herbe qui ne sont pas encore très connus, mais très prometteurs. Donc, on fait en même temps leur promotion. Et l'orchestre des Malvoyants, La Voix des Anges, qui est un groupe assez bien connu déjà dans Lomé, qui sera à l'honneur. 1000 francs, réservation 2500. Il n'y a pas de numéro libre, mais les tickets seront vendus à l'entrée. Le concert se passera sur l'esplanade des Frères Franciscains à Rancopé. Léa Anipa, la secrétaire du mandat 2016-2017 du Lions Club Lomé Espoir. Un événement à vivre. Rendez-vous demain, dimanche 16 octobre 2016 à 14h à la place Frère Emmanuel sur la paroisse franciscain de Rancopé pour commémorer la journée de la vue avec le groupe musical des Malvoyants, La Voix des Anges et d'autres artistes du gospel. Et pour rappel, l'entrée est à 1000 francs avec la réservation à 2500 francs. Et dans 5 minutes, nous allons écouter un environnementaliste sur les catastrophes naturelles. En attendant, je vous laisse apprécier Tico Tikaya. Balance musique.
s'appelle Tico Tikaya. Le titre du morceau, c'est Balance la musique, un morceau fait avec l'orchestre Kilimanjaro. Allez, allez, allez. Le son comme d'habitude. Et le fin du samedi soir, c'est chaque samedi entre 21h et 23h sur la FM 101.1. La journée internationale des catastrophes, de la prévention des catastrophes naturelles est célébrée chaque 12 octobre. Et depuis 1990, l'ONU consacre le deuxième mercredi d'octobre de chaque année à la sensibilisation du public sur les différentes thématiques liées aux risques naturels, tremblements de terre, ouragans et bien d'autres. Les catastrophes naturelles, qu'est-ce que c'est? Notre consoeur Blessine Passonien s'est entretenu avec Alex Beaufond, environnementaliste. Les catastrophes naturelles désignent les changements d'un état de départ qui est jugé naturellement positif à une situation d'arrivée qui est négative du point de vue environnement. Et si nous prenons les éléments qui constituent notre environnement, on peut distinguer comme catastrophes les dégradations des terres, les inondations, les effets des feux de brousse, la pollution de l'air et de l'eau, la contamination des eaux souterraines. Tout ceci fait partie de ce que nous pouvons appeler catastrophes naturel. Et nous les plaçons généralement sous les effets des résultats de toutes les activités combinées de l'espèce humaine. Donc c'est ce que nous appelons catastrophe naturelle. Naturelle parce que, je l'avais dit tantôt, il y a un état de départ qui est relativement bon et il y a un état d'arrivée ou une situation d'arrivée qui est négative, qui est nuisible, qui est dangereux pour l'espèce humaine. Et parlez-nous un peu des causes et des effets des catastrophes naturelles. En tant que cause, nous pouvons citer les activités des humains. Si nous prenons par exemple la dégradation des terres, ce sont les activités que nous menons en tant qu'humains sur la terre qui arrivent à cette dégradation. Sur le point de l'agriculture, il y a une agriculture que nous appelons itinérante sur brûlis, qui ne protège pas l'environnement, qui expose les terres à une érosion, à une dégradation, à une déformation. Et si nous nous trouvons sur des pentes, à ce qu'on peut appeler un éboulement, et si éventuellement, il y a des exploitations ou des habitations qui se trouvent sur ces flancs. Il peut en découler des pertes en vie humaine, en production agricole comme animale. Ça, c'est une catastrophe. Lorsque nous prenons les effets des feux de végétation, étant donné que nous savons que les forêts constituent des éléments qui capturent les gaz carboniques et d'autres gaz qui sont dangereux pour nous, lorsqu'il y a feux de végétation, ces arbres, ces herbes ne peuvent plus jouer ces rôles. Donc l'air que nous allons respirer n'est plus bon. Donc c'est une catastrophe, ou une catastrophe naturelle. Lorsque nous prenons le développement industriel avec les gaz, les fumées, d'énormes fumées, d'épaisses fumées qui se dégagent surtout dans les zones industrielles, ces gaz-là contribuent à polluer l'air et cet air n'est plus propice, n'est plus bon pour nous les humains et contribue à élargir les trous au niveau de l'atmosphère et permettre l'arrivée sur nous des rayons ultraviolets qui sont extrêmement dangereux pour nous et qui sont d'ailleurs la cause du réchauffement climatique. Donc cette couverture, nous ne pouvons plus jouer le rôle pour lequel elle est là. Nous arrivons à ce que nous pouvons appeler un réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique produit au niveau des pôles le fait que les glaciers se fondent. Et lorsque les glaciers se fondent, le niveau de l'eau des mers, des océans, augmente. Et il est à noter que dans les années à venir, il peut avoir débordement de ces eaux marines sur des surfaces terrestres. Et parlant de la pollution des eaux, nous assistons aujourd'hui à des déversements de déchets toxiques provenant naturellement toujours des usines, de nos industries, dans les mers, dans les océans, dans les lacs, et ce qui est un danger pour les animaux, pour les êtres vivants qui vivent dans ces écosystèmes, en l'occurrence les poissons que nous consommons. Nous assistons aussi à des déversements de carburant venant de l'extraction du pétrole. Tout ceci constitue ce que nous pouvons appeler des catastrophes naturelles. Les résultats de tout ce que nous venons de citer nous amènent vers une issue non favorable pour notre survie et surtout pour les générations à venir. Comment faire pour freiner ou bien arrêter ces effets sur l'environnement? C'est de réduire ou d'arrêter
l'utilisation de certains produits chimiques ou faire des recherches pour arriver à l'utilisation des produits naturels, des produits bio. Il existe aujourd'hui des herbicides bio, des engrais bio. Il faut aller dans le domaine de la production agricole vers une production bio pour préserver l'environnement, tout ce qui nous entoure. Ça, c'est un. Deux, il faut arriver à contenir ou à conserver durablement les déchets toxiques issus de nos industries, de nos usines. Parce que lorsqu'on les lâche, ça devient dangereux. Or, cela y va du point de vue du développement. Donc, c'est le développement que nous cherchons qui nous tue. En fait, nos grands-parents n'avaient pas ces grandes industries et la nature était vivable, l'environnement était sain. Mais aujourd'hui, on veut avoir ceci, on veut avoir cela, on veut avoir ceci, on veut se développer. Et c'est sur ce chemin de développement que ces différents effets négatifs se... Donc, il faut réduire l'utilisation de certaines choses, réduire certains essais nucléaires, par exemple, pour que certains gaz ne soient pas dissimulés dans l'environnement. Donc, il faut prendre des mesures sur le plan international. Ça se prend, des conventions se signent, des protocoles, etc., etc. Mais il faut aller vers leur application. Aujourd'hui, ce n'est pas que les voix les plus autorisées ne disent rien. Au niveau plus élevé, au niveau plus concerné par les choses, il y a des mesures qui se prennent. Mais on ne les respecte pas. On ne fait pas l'effort de mettre en application ce qu'on prend comme décision. Donc, je pense qu'il faut commencer par appliquer les mesures prises parce que les catastrophes naturelles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et que les gouvernements, même au niveau des Nations Unies, des organismes qui réfléchissent, qui travaillent jour et nuit par rapport à ces catastrophes naturelles et qui proposent des solutions. Donc il faut aller vers l'application de ces tests pour pouvoir réduire, histoire de préserver un environnement d'abord propice à nous et qui réserve une chance pour les générations à venir. Et nous remercions Alex Coffon, environnementaliste à Thiviers. Il a répondu aux questions de Blessine Passagna. Et nous poursuivons le feu du samedi soir avec de la musique en jingle. Pourquoi tu ne l'as pas dit avec moi? Oui, c'est vrai, j'ai raté. Bene Passion, JJV, le morceau va faire plaisir à toutes les ambassadrices scolaires. Otobolo, Mba Fambi les amène à mou. Mba Fambi les amène à mou. Mune la Ogbe la Sabada Moulo. JJV Nielo, Otobolo. Nientave JJV Nielo, Otobolo. Chante ce soir dans la grande discothèque de l'indépendance du Divi et nous écoutons avant longtemps.
Bruno, ça va? Et toute la famille. Anna. Madame a dédié de grand maçon. Bonjour tout bien, taille mon tibé Matteo. Tout bien l'Ikea. Madame, bienvenue dans le cours. Bonsoir à vous tous. Tout bien, taille mon tibé Matteo. Que vous m'a tout bien, mon tibé et tout. Qui vous l'a signé au café mon tibé Matteo. Allez tout le monde, on se lève. Que vous soyez dedans, que vous soyez au dehors de la discothèque, en avant la musique. Salut à l'oncle Soubé comme l'envie depuis Paris. Radio Horizon. Le même morceau fera plaisir à tous les chefs quartiers, les chefs cantons. Chef de village et toutes les autorités. Radio Horizon. Ah,
Nous allons rapidement écouter un autre morceau, hein. Et le, ce morceau qui vient maintenant. Ça fait plaisir à tous les cafétérias de la ville de Thiéry. Salut au shop La Gloire de Dieu. Allez, maestro, c'est comment? Radio Horizon. Le même morceau fera plaisir à Maestro Dagboumi et toute la famille. Belle ambiance, le titre Azamboko qui entre rapidement sur la piste. Et...
pour ceux qui vont fêter leur anniversaire demain, et pour ceux qui le fêtent aujourd'hui, c'est pour vous. Salut à toi, c'est vrai, rien que pour Move Your Body. J'ai reconnu la voix. Deuxième partie de cette émission, de grands reportages de Radio France Internationale. Le premier qui va porter sur les amours et les castes au Sénégal, et le deuxième qui porte sur les femmes haïtiennes, le droit à la santé. Alors, la chanson de l'émission Yaovi Keteti, mais ça me coupe à d'avoir. Je vous laisse en compagnie de Gaëtan Amouzou. On se retrouve le samedi prochain. Très bonne nuit à vous tous. Radio Amouzou. Journaliste mignon, no. Ou à mon miagomi, c'est nanyalea. Yeah. Bon, on a un